Bonjour, merci d'être là du coup. Je m'excuse de la part de Jean-Marc, mon associé. On fait partie de la même entreprise, on a monté l'entreprise ensemble, on s'appelle Aeris. Et on travaille dans le domaine de la 3D. Et du coup, il s'excuse de ne pas être là, c'est moi qui ferai la présentation, mais en tant que directeur technique, je suis aussi qualifié que lui pour parler de ce dont on va parler. La track, et en particulier ma session, s'appelle Cloud et Big Data 3D, si je ne me trompe pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que la 3D, elle arrive sur le net, vous devez le savoir, on a déjà dû entendre parler beaucoup de WebGL, elle devient problématique, elle impose des contraintes, et de nouvelles contraintes, en particulier chez les industriels, où il y a un paquet de données, exactement le même paquet de données que celui dont on parle lorsqu'on évoque le terme Big Data. En général, on parle de données textuelles. Chez des industriels comme PSA, comme des gens du domaine du luxe, comme des gens qui fabriquent des bâtiments, il y a beaucoup de données qui sont des données 3D. Alors, c'est des données, en général, pas juste, qui permettent pas uniquement d'être affichées. Elles permettent souvent de faciliter la création de... Elles s'inscrivent dans un process, en fait, qui nécessite de savoir de créer une vraie logique au sein de l'entreprise. Voilà, ça, je veux dire. Il y a des gens qui fabriquent ces modèles pour des ingénieurs, ils fabriquent ces modèles pour des commerciaux, ils fabriquent ces modèles pour des formateurs, par exemple. On travaille aussi avec des formateurs. Et c'est là-dedans où on s'est aperçu qu'il y a un besoin d'améliorer ce process, vraiment. Donc nous, on a créé un logiciel qui s'appelle Minko, et du coup, je vais en parler en précisant l'intérêt que ça a au sein du Big Data 3D. Moi, j'ai fait l'EPITA, qui est une école d'ingénierie informatique, j'ai créé l'entreprise avec Jean-Marc qui a 3 ans. On s'est spécialisé dans deux domaines, celui dont on va parler aujourd'hui, c'est la 3D, Minko, notre moteur 3D. Que fait l'entreprise? Comme aujourd'hui c'est un thème un peu spécial, l'open source, on se demande toujours comment les entreprises font pour faire de l'open source et faire de l'argent avec. Donc c'est très simple, on a un business assez classique, c'est qu'on aide les entreprises à faire, à intégrer ce qu'on fait. Il y a plusieurs moyens. Il y a, dans certains cas, la vente de licences parce qu'on a des logiciels qui sont eux propriétaires, qui utilisent le logiciel open source. On a du support, donc c'est des gens qui nous appellent pour nous demander comment on fait pour résoudre telle problématique. Du consulting et du coaching. Essentiellement, ça se résume à faire du développement pour des entreprises qui ont besoin de créer un logiciel et qui ont besoin d'aide. Et puis enfin, custom development, là c'est clairement les entreprises qui viennent nous voir pour du service et on vient réaliser leurs besoins. On est partenaire avec JCDecaux et Renault pour exactement ces problématiques-là. Ils sont intéressés pour... Renault, c'est assez logique, ils fabriquent des objets qui doivent être résistants à plein de choses, qui ont besoin d'être validés esthétiquement, qui ont besoin d'être validés techniquement, tous ces objets, des voitures, mais ça pourrait très bien être des avions, ça pourrait très bien être des immeubles, ils sont forcément modélisés en 3D. Je pense que j'apprends rien à personne. On travaille avec eux justement pour faciliter ce process et leur permettre, par exemple, d'afficher ces modèles sur un iPad ou sur le web. On va arriver là-dessus très rapidement. Minko, donc technologie 3D, ça fait à peu près ce que vous attendez d'un moteur 3D. Donc là, vous allez pouvoir il y en a beaucoup des moteurs 3D. Donc nous, là où on se spécialise, c'est qu'on travaille beaucoup avec les industriels, et du coup, tout ce qu'on pense et tout ce qu'on conçoit, c'est fait dans cet objectif-là. Alors évidemment, on travaille aussi avec des gens du jeu vidéo, on travaille avec des grands éditeurs, mais toujours avec cette optique de servir un process, plus que de réaliser un framework.
Donc ce framework qui lui est open source et un outil, un éditeur qui lui est propriétaire, mais c'est pas ce sur quoi on va se concentrer aujourd'hui. L'éditeur permettant évidemment de prendre des modèles existants provenant d'applications de conception 3D, par exemple 3ds Max ou Blender, et de les importer dans notre workflow pour pouvoir les afficher et les optimiser sur toutes les plateformes qu'on souhaite cibler. Optimiser pour le web et les mobiles. Donc c'est le cœur de la session d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe quand on est sur le web et les mobiles par rapport à une application classique? Bah, sur le web, déjà, on est sur l'ordinateur de l'utilisateur. Bon, je dis c'est à peu près la même chose que lorsque quelqu'un met un CD-ROM et installe un jeu vidéo. Bah, en fait, c'est pas tout à fait ça, parce qu'on n'a pas vraiment le contrôle, on peut pas installer ce qu'on veut, on peut pas installer de driver. On peut pas ajouter des choses à l'ordinateur comme le feront des éditeurs de jeux vidéo. Donc nous, on va se contraindre aux plateformes qu'on a. Et aujourd'hui, sur le web, on a deux choses essentiellement, trois si on compte Unity. Mais les deux premières et les deux principales, en fait, sont Flash et WebGL. Ce sont des technos qui sont apparus assez récemment. Flash étant un peu plus vieux, mais l'apparition de la 3D accélérée matériellement, elle est apparue il y a 3 ans, 4 ans peut-être. Ces deux plateformes permettent d'accéder à la carte graphique depuis le navigateur. Flash a l'avantage d'être très accessible et très utilisé. Alors évidemment, ce n'est pas un outil open source, mais on peut développer de l'open source sur du Flash. Donc ça a ses avantages et ses inconvénients. WebGL, c'est évidemment ce vers la technologie vers laquelle on s'oriente le plus, mais il y a une contrainte évidente qui est que WebGL, c'est pas présent partout. C'est présent dans les navigateurs récents comme Firefox et Chrome. Ça va arriver dans Internet Explorer 11, mais c'est pas encore fait. Dans Safari, c'est aujourd'hui bloqué, mais ça va arriver aussi. Donc voilà, il y a ces contraintes. Pour des développeurs, c'est pas gênant parce qu'on sait comment les activer, on sait comment bypasser ces contraintes. Mais évidemment, quand on veut rendre un contenu accessible, on peut pas se laisser faire. On peut pas supposer que ça suffira. Donc évidemment l'idée c'est de combiner les deux et de profiter de WebGL quand on peut avoir des technologies standards et puis d'avoir un fallback Flash qui garantit 95% de pénétration ou quelque chose comme ça. Je crois que j'ai une slide qui évoque ça juste après. Minko, la technologie 3D qu'on développe, prend des formats standards et use l'UN, on va dire, de l'industrie. Le cas typique c'est l'industriel qui fabrique un moteur 3D. Et ce qu'on présentait en bas à notre stand, c'était un moteur, au sens littéral du terme, un moteur d'avion, conçu avec Katia, qui est un éditeur assez classique de l'industrie, pour faire de la 3D, mais spécialisé dans l'industrie et pas spécialement dans la visualisation des données. Donc nous, on prend ces formats assez classiques et on les importe dans notre éditeur pour derrière transformer ce contenu en un contenu optimisé. Optimiser, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire cibler pour la plateforme qu'on a. Typiquement ici un iPad, je pourrais avoir une plateforme web, comme je l'évoquais tout à l'heure. Ou alors simplement une application native de bureau. L'application native elle va plutôt servir à faire du jeu vidéo, et donc là on peut profiter d'un maximum de fonctionnalités de l'ordinateur. C'est la partie la moins contraignante, mais lorsqu'on va cibler des industriels, on veut évidemment que ça tourne sur des tablettes, parce qu'on imagine le commercial les présenter le modèle 3D sur sa tablette pour le visualiser, ou le formateur pour aller l'expliquer d'une certaine manière à ses élèves. Ici, on a des exemples d'applications qu'on peut faire avec Minko. Donc là, on est visuellement essentiellement dans du jeu. Là, c'est un exemple aussi d'application qui met en avant un modèle 3D dans un but un peu de vitrine. Mais on est toujours dans cette idée d'avoir un contenu 3D conséquent, sérieux. On n'est pas en train d'afficher un cube, on est vraiment en train d'afficher un paquet de polygones avec un tas d'effets, des effets type particules, des effets de lumière, des effets d'ombre. Ce qu'on attend d'un moteur 3D, en fait. Ce qu'on attend d'un moteur 3D récent. Ici, des industriels, des éditeurs de jeux pardon, avec lesquels on a travaillé, soit dans le cadre de jeux vidéo, soit dans le cadre d'applications proches du domaine du jeu vidéo.
Et récemment, par exemple, Electronic Arts a sorti un jeu vidéo qui s'appelle Iron Force, publié il y a, je crois, un mois ou deux mois, utilisant Nikovic. C'est ce dont je parlais. Voilà, exactement. Visuellement, on ne verra pas la différence par rapport à une application faite en natif sur la plateforme, sauf qu'on profite de l'avantage de Minko, qui est cet aspect cross-platform, qui est le cœur de notre technologie. Jusque-là, Minko ciblait essentiellement, comme je disais, Flash. Aujourd'hui, avec la version Minko 3 qu'on a annoncée il y a quelques mois, on s'est dit, on aime le standard, on aime l'open source, on va faire en sorte que tout soit cohérent. Et donc, on va faire en sorte de cibler les différentes plateformes avec le maximum de... avec tout ce qui est possible, en fait. La première plateforme qu'on va cibler, c'est la plateforme native. On va tout coder en C++, on va se dire C++, c'est une plateforme performante, tout le monde est d'accord dessus, tout le monde est d'accord avec, pardon. Et on va faire en sorte de transformer cette base de code en quelque chose de portable sur les différentes plateformes, pour justement pouvoir l'afficher sur des contraintes de mobilité. Cette logique de « on écrit une fois, on déploie partout », on veut la conserver absolument. On l'avait déjà à l'origine, mais on n'était pas aussi pertinent qu'on l'a aujourd'hui, j'imagine. Et on veut aussi pouvoir profiter d'une base de code existante, parce que le C++ permet d'utiliser des bibliothèques de code qui sont déjà... éprouvés et qui nous garantissent d'éviter de redéployer et de réinventer la roue. Comment on fait aujourd'hui pour cibler ça? Ben on fait de la cross-compilation, du moins quand c'est nécessaire. Aujourd'hui, les plateformes qu'on cible, c'est toutes celles qui sont affichées ici, donc des périphériques mobiles, des plateformes classiques comme Windows et Mac, du web avec WebGL, du web avec Stage 3D aussi, qui est la technologie 3D de Flash, du moins de la plateforme. Pour ces deux plateformes-là, on va avoir besoin de cross-compiler. C'est-à-dire, on part d'une base de code existante faite en C++. Malheureusement, on ne peut pas lancer ce C++ directement sur la plateforme. Donc Stage 3D, c'est de l'ActionScript, c'est un langage qui est très proche de Java. J'imagine que je parle à des développeurs ici, donc je ne vous perds pas. Sur WebGL, on va être contraint à faire du JavaScript. Donc l'idée, c'est de résoudre cette problématique juste en utilisant des choses existantes pour compiler sur ces plateformes. Pareil, vu qu'on fait de l'open source, on fournit des choses et puis on en profite aussi. Et pour en profiter, on va utiliser des technologies comme Emscripten et Crossbridge. Je vais évoquer après en détail ces plateformes. Ici, je vous montre très rapidement l'état de l'art par rapport à ce qu'on avait sur Minko 2, sur la version précédente. Donc on est quasiment on a quasiment le même niveau de fonctionnalité. Il nous reste encore du travail essentiellement sur les ombres et les animations pour avoir ce qu'on attend d'un moteur 3D complet. Donc, d'un point de vue technologique, j'ai commencé à l'évoquer tout à l'heure à WebGL. WebGL permet de faire de la 3D sur le navigateur en utilisant l'API JavaScript. C'est présent sur à peu près tous les navigateurs, sauf qu'il y a des contraintes que j'évoquais, qui sont la disponibilité, par exemple, sur Safari dans certains cas, sur IO qui va arriver très bientôt. Mais on y croit, on pense que c'est la solution, et du coup, on va pousser ça, on va trouver des solutions pour contourner ça. La solution, c'est du coup le fallback, l'idée de coder une fois en WebGL, et puis d'utiliser les API de Stage 3D, qui sont plus souvent présentes que celles de WebGL, pour avoir un format fonctionnel sur le maximum de plateformes. En l'occurrence, ici, on parle de 96% des navigateurs web.
Donc l'idée du fallback, tout simple, on vérifie si la technologie est présente, puis en utilisant les mêmes API, on va juste forwarder les appels natifs, parce que dans tous les cas, les contraintes imposées par Flash sont les mêmes que celles de WebGL, c'est-à-dire qu'on a de l'OpenGL ES2 en back-end. OpenGL ES2, c'est suffisant pour faire tourner un jeu qui s'appelle... Infinity Blaze, je crois, sur mobile. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, mais c'est un jeu assez bluffant, avec des effets de tous les côtés, des lumières incroyables. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on imaginait pouvoir faire uniquement sur des consoles portables, sur des consoles de salon. Aujourd'hui, on peut le faire sur mobile sans souci. Donc ces contraintes, elles ne sont pas bloquantes du tout. Ensuite, une autre technologie qu'on a choisi d'utiliser, c'est le C++ 2011. C++, c'est une base très populaire, c'est une base qui est connue, il y a beaucoup de développeurs, il y a aussi beaucoup de bibliothèques de code existantes, mais c'est aussi vieillot. Donc je suis un grand fan du C++, mais c'est vrai que j'étais bien content d'apprendre qu'en 2011, on a annoncé une nouvelle spec qui nous apporte des choses très similaires aux langages dynamiques qui sont très utilisés aujourd'hui, comme JavaScript, par exemple. Le point fort pour moi, c'est essentiellement les lambda, ce moyen de faire des fonctions anonymes utilisables directement au sein d'une fonction. C'est vraiment pas la même chose que l'approche que JavaScript a, parce que le langage est complètement différent. Mais on va dire que ça s'oriente dans cette direction et ça simplifie la manière d'écrire du C++. Ça permet de réduire aussi énormément la quantité de code qu'on écrit. D'un point de vue cross-compilation, deux plateformes, je parlais d'EmScriptM et de CrossBridge tout à l'heure, sont deux pipelines basés sur LLVM. LLVM, c'est une technologie qui est développée depuis quelques années par Google, Apple, Intel, un tas de gens qui a priori s'y connaissent en compilation et ont besoin d'améliorer la manière dont la compilation est faite. Aujourd'hui, la plupart des développeurs sont habitués à utiliser GCC ou Visual Studio quand ils font du C++. C'est des technologies qui ont leurs acquis, on va dire. LLVM est parti d'une base complètement fraîche et une approche un peu plus pure de la compilation, ce qui lui permet de faciliter la cross-compilation. On va prendre la même base de code, le C++, on va le transformer en un langage intermédiaire, et derrière ce langage intermédiaire va pouvoir être converti vers le back-end qu'on souhaite. L'approche simple, c'est de convertir vers un langage objet natif de la plateforme, ce qu'on fait quand on utilise GCC habituellement. Lorsqu'on veut cibler des plateformes comme du JavaScript ou du ActionScript, là, il y a quand même des choses à faire. Parce que ce sont des langages dynamiques, ce sont des langages qui ont leur propre machine virtuelle, et du coup, les contraintes ne sont pas du tout les mêmes, et le langage qu'on doit sortir en back-end est complètement différent. Donc on utilise cette techno développée par Adobe, donc du coup Adobe, l'éditeur du Flash Player, du coup ils savent comment ça fonctionne en interne, et du coup c'est les mieux placés pour créer un cross-compilateur C++ vers Flash. On profite aussi d'un tas d'avantages qui sont liés à la manière dont C++ est conçu, qui fait que le maximum de choses est résolu à la compilation, et donc en amont de l'exécution. Ça permet plus simplement de dire que ça va plus vite. Il y a encore un certain travail à faire dessus, c'est un projet en cours, open source évidemment, mais on a des résultats aujourd'hui qui nous permettent de garantir de pouvoir afficher le même modèle, que ce soit en natif ou en flash, grâce à la cross-compilation. EmScriptM, c'est l'autre projet très à la mode en ce moment, qui permet de transformer une base de code C++ vers du JavaScript. Alors, ça marche exactement de la même manière, on va passer par un pipeline un peu plus complexe que juste LLVM, mais dans l'idée, c'est ça.
Et on va derrière avoir un espèce de blob JavaScript. Donc JavaScript, c'est un langage textuel. Il n'y a pas de, spec pour fournir du code binaire JavaScript. Mais on va derrière pouvoir exécuter ça et avoir une garantie de l'exécution du programme. Parce qu'il aura la même logique et la même approche que le C++ initial. Les problématiques qui restent à résoudre, c'est comment attacher correctement OpenGL, donc tous les appels WebGL en l'occurrence sur le JavaScript, et le code C++ natif. Parce qu'en C++, si on utilise de l'OpenGL, on va utiliser des fonctions OpenGL définies dans une spec, dans un point H, qui font appel à des bibliothèques de code, littéralement des DLL. Le problème, c'est que c'est pas du tout celle-là qu'on va utiliser au runtime dans le browser. Dans le browser, il a ses propres bibliothèques et qui s'appellent pas du tout de la même façon. On va pas pouvoir exécuter du code à l'adresse Intel. On va forcément devoir passer par un appel WebGL particulier. C'est là où on doit ajouter une couche supplémentaire. Donc j'évoquerai après la manière dont on gère les différents contextes, à la fois l'OpenGL classique et le WebGL. Après, je vous ai menti à l'instant. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas de spec existante pour faire du binaire en WebGL. Enfin, en JavaScript. Alors, c'est pas tout à fait vrai. Il y a des gentils gens chez Mozilla, des gens qui fabriquent le navigateur Firefox, qui ont inventé une bibliothèque qui s'appelle ASMJS. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. C'est très prometteur pour optimiser les performances de JavaScript. L'idée, c'est de fournir un sous-langage de JavaScript, un sous-ensemble du JavaScript, très facilement optimisable, un peu à la manière de l'assembleur, c'est pour ça que ça s'appelle ASM.js, qui est exécutable par n'importe quel navigateur, donc ça reste du JavaScript, sauf que le sous-ensemble d'instructions est excessivement travaillé pour être optimisé et pouvoir justement passer dans une machine virtuelle spécialement dédiée à ça, qui ne prend pas en compte tout le sucre que fournit le langage JavaScript. Donc l'avantage, c'est que MScriptM fournit un back-end ASMJS, et effectivement, on a constaté des performances gigantesques. On est proche de deux fois les performances du natif. Vous imaginiez, il y a encore 3 ans, qu'on pourrait se dire que ce qui tourne dans le navigateur allait juste deux fois plus lentement que ce qui tourne en natif. Moi, j'y pensais pas. Quand j'ai appris ça, je me suis dit, bah du coup, JavaScript devient un langage pertinent pour faire des applications web. Parce que je ne l'ai pas évoqué au début, mais c'est évident, les applications web, elles sont en général très consommatrices en termes de CPU et de GPU. Enfin, c'est annexe, mais très utile, le JavaScript qui est fourni par le projet MScriptM peut être compressé en utilisant la plateforme, l'algorithme LZMA, pardon. Ce qui permet de réduire et de charger donc plus rapidement la base de code qui est quand même conséquente de JavaScript. Ensuite, Angular. Pourquoi on a besoin d'Angular? Parce qu'on veut faire du code natif. Enfin, on veut faire des applications de bureau, des jeux, tout simplement, qui tourneraient, qu'on installerait sur son ordinateur. Il y a deux technologies aujourd'hui, a priori ce sont les deux seules qu'on connaît. Il y a OpenGL et DirectX pour faire de la 3D sur un ordinateur et pas dans le navigateur. Alors le DirectX c'est très bien parce que ça fonctionne, c'est très rapide sous Windows, mais ça veut dire qu'il faut implémenter deux fois les choses, une fois en OpenGL, une fois en DirectX. Alors qu'OpenGL c'est présent partout. Il n'y a que Windows qui nous dit oh, ce serait mieux d'utiliser DirectX. Et ils ont raison de nous dire que c'est mieux d'utiliser DirectX parce que les constructeurs de cartes graphiques qui fournissent les drivers OpenGL, entre autres, ne sont pas très enclins à optimiser leurs drivers OpenGL. Du coup, je pense qu'il y a une forme de lobbying là-dedans, mais du coup, le fait de coder en DirectX a tendance à optimiser notre code 3D. Du coup, Google s'est dit, moi ça me va pas, j'ai envie de coder une fois et pas de coder deux fois. Du coup, ils ont pris à la lettre les problèmes
que les constructeurs nous imposaient. Ils ont codé une bibliothèque qui fait tout simplement des appels DirectX derrière des appels OpenGL. Donc nous, on code simplement en OpenGL, comme on le faisait sur d'autres plateformes, sur Linux par exemple. Et derrière, le projet va faire en sorte que tous les appels OpenGL, qui sont quand même suffisamment différents des appels DirectX, donc c'est pas juste un stub qui dit « quand j'appelle telle fonction, j'appelle celle-là en fait », c'est beaucoup plus complexe que ça. Surtout parce qu'il y a plein d'approches différentes au moteur 3D. Et du coup, on peut respecter les specs d'OpenGL ES2 au moins, sans souci, en utilisant le projet Angle, qui est un projet open source et qui a l'avantage d'être fiable. On aurait pu se dire qu'on allait créer un contexte DirectX séparé, mais quand on voit des projets comme ça qui sont maintenus par des sociétés comme Google et qui sont open source et qui sont a priori approuvés par la communauté, ça va être tout simplement un gain de temps pour le développement d'un moteur de travail. Le type de contrainte que DirectX impose, c'est qu'on ne peut pas coder dans le même langage de shader. Le langage de shader, c'est le moyen d'avoir des effets visuels comme des réflexions, par exemple, comme des transformations visuelles, passer en noir et blanc, avoir de l'anti-aliasing ou avoir des effets de flou, par exemple. Tous ces effets un peu de glow qui paraissent très naturels, ou les effets de bokeh qui sont ces espèces de petites réflexions lumineuses qu'on a quand on est un peu fatigué et qu'on voit des lumières au loin. Bah pour les simuler, on doit le faire avec des shaders, tout simplement. Et la manière de coder en OpenGL et en DirectX, c'est différente. C'est là où Angle nous fait gagner un temps fou. Premake, c'est un outil qu'on utilise pour mettre en place notre process de compilation, tout simplement. Donc on se dit, ça reste assez bateau, mais mine de rien, sans un pipeline complet, c'est très compliqué d'organiser de la cross-compilation. Pouvoir lancer juste en disant je veux compiler pour ma plateforme native, je veux compiler pour du web, je veux compiler pour du flash, je veux compiler pour iPhone. Mettre en place un pipeline comme ça, c'est relativement complexe, et en faisant un peu de veille sur l'existant, en termes de moteur d'outils de compilation, on a vu qu'il n'y avait pas grand chose, et Premake qui était probablement le meilleur, même s'il est développé par une seule personne dans un coin. C'est particulièrement adapté pour les plateformes de jeux comme les consoles, et puis derrière c'est très personnalisable, donc on a choisi de partir là-dessus. C'est une des technologies open source qu'on utilise. Enfin, Vagrant. Pourquoi on a eu besoin de Vagrant? Parce que vous, en tant que développeur, vous avez déjà dû remarquer que très souvent, ça marche sur ma machine, mais ça ne marche pas sur celle du voisin. On ne sait pas trop pourquoi. On se dit, j'ai la même bécane, j'ai le même logiciel, les mêmes sources, on ne sait pas pourquoi. Et ça marche juste pas. Et on n'a pas envie de perdre du temps à essayer de comprendre. Donc, une des solutions, c'est de se dire, on va tester sur la même machine. Oui, physiquement la même machine. Et ça, on ne peut pas le faire, parce qu'il y a plusieurs développeurs. Vagrant a eu l'excellente idée de se dire que maintenant que les machines virtuelles type VirtualBox sont très populaires et a priori fiables, on va automatiser ça. On va faire en sorte de pouvoir dire, je veux créer une machine virtuelle et lancer une compilation dedans. Vagrant permet de scripter ça avec l'outil de script que vous préférez, mais fournir un moyen d'automatiser ça, et de récupérer tous les paquets si vous choisissez de lancer une VM Ubuntu par exemple, de télécharger tous les paquets, de lancer une compilation, et le fait de manière très rapide, puisque démarrer une VM ça prend à peu près 5 secondes, donc ça simplifie tout le process de compilation, et puis ça veut dire aussi qu'on n'a pas à demander aux gens qui se mettent sur les projets d'installer tout un tas de paquets avant de pouvoir commencer à travailler. Ils installent Vagrant et ils font Vagrant Up, tout simplement. À partir de là, la compilation se lance, ils installent tous les outils. À titre personnel, c'est vraiment l'outil qui me semble le plus pertinent pour de la cross-compilation et pour faire un projet large qui implique beaucoup de technologies. Vraiment, mettez le nez dedans si vous ne connaissez pas. C'est vraiment une très très bonne idée.
Et du coup, ça permet de cross-compiler vers du JavaScript. C'est en particulier pour ça qu'on s'en sert. Comment on a choisi d'implémenter les choses pour que le moteur 3D, à partir de la même base de code, tourne sur toutes ces plateformes? Bah, comme je disais tout à l'heure, il y a la contrainte des appels natifs, les appels vers les bibliothèques de 3D. La bibliothèque OpenGL, elle nécessite des appels objets, vers des fichiers objets quand on code en natif, et on ne peut pas le faire sur le web. On est obligé d'avoir un contexte spécial qui dicte les appels à faire. Alors on a une base commune, qu'on a appelée AbstractContext, qui définit les interfaces d'un contexte, c'est-à-dire comment on fait un rendu, c'est-à-dire comment on injecte des polygones sur une carte graphique, comment on envoie une texture, comment on déclare un shader, par exemple. Voilà, toutes ces approches, ben on va les réunir dans une interface commune, et puis on va sous-classer ces plateformes en un OpenGL ES2 contexte et un WebGL contexte. Le WebGL contexte étant, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'OpenGL ES2 quand même. On pourrait parfaitement imaginer avoir un DirectX contexte si ça avait été pertinent, mais grâce à Angle, on peut l'éviter. En OpenGL, il y a beaucoup de contraintes, mais elles sont pas forcément bloquantes lorsqu'on se dit on se limite à l'OpenGL ES2. Parce que toutes les implémentations de driver sont à peu près fiables sur cette limitation-là. OpenGL ES2, c'est ce qu'il y a aujourd'hui dans un iPhone 5. Dans un iPhone 5S, je crois qu'il y a, il y a de l'OpenGL ES3, si je ne me trompe pas. C'est ce qu'il y a aussi sur Android, c'est ce qu'il y a aussi sur votre navigateur, c'est ce qu'il y a probablement sur votre carte graphique, quelle que soit votre carte graphique. Donc, on peut se dire que c'est la base stable qui vous permet de coder en 3D aujourd'hui. Il y a quelques années, ce n'était pas le cas, donc on peut être heureux que ce soit le cas maintenant. Évidemment, comme je disais, les drivers, c'est à peu près fiable, mais il y a quand même des choses à spécialiser en fonction de la cible. Typiquement, Windows Mac, il n'y a pas forcément les mêmes choses. On a vu sur... c'est tout bête, hein, c'est des choses comme des matrices qui ne sont pas dans le bon sens. Une matrice, elle peut être vue comme ça ou comme ça. Enfin, du moins, on peut inverser les colonnes et les lignes. Typiquement, sur Android, elle ne fonctionne pas pareil que sur du Windows, par exemple. Donc ça, c'est le genre de choses qu'on va devoir résoudre. Et en tant que développeur, on n'a pas envie de se prendre la tête à faire ça. Donc on résout ça. Donc pareil sur WebGL, tout ce qu'on a à changer, c'est uniquement les appels d'API, puisque derrière, c'est l'OpenGL ES2, donc c'est les mêmes fonctions, sauf qu'elles ne sont pas appelables de la même façon. Donc ce que fait WebGL, contexte, c'est exactement ça. Encapsuler les deux. Et aussi, les quirks, c'est comme d'habitude, il y a toujours des petits problèmes sur chacune des implémentations en WebGL. Il y en a d'autres, la version de shader supportée, tous ces petits trucs, on y a pensé, enfin on les a subis plutôt, et du coup on a essayé de les résoudre. Qu'est-ce qu'on ajoute dans l'API? Donc là on rentre vraiment dans ce que fait Minko. Tout ça, encore une fois, c'est de l'open source, hein, il y a des contributions externes. C'est vraiment un objectif communautaire. Nous, il n'y a pas de souci, on travaille là-dessus à plein temps. Et derrière, on travaille avec des industriels qui ont ces besoins. Ce n'est pas des choses... on est dans du développement qui est pérenne, on a vraiment cet objectif. Du coup, on a une logique aussi d'architecture logicielle à mettre en place derrière pour que les gens puissent continuer, créer des plugins par exemple. Et la logique de composants qu'on a créée, elle permet d'avoir une hiérarchie, parce qu'une scène 3D c'est avant tout une hiérarchie, un monde global dans lequel on a un groupe de nœuds, qui contient lui-même des groupes de nœuds. C'est comme ça qu'est construit un mesh, un modèle 3D par exemple. Et nous on a choisi de garder cette approche, sauf qu'on va ajouter des composants à chacune de ces... à chacun de ces niveaux dans un arbre. Ça permet par exemple de mettre une lumière. On va ajouter une lumière dans la scène,
et puis derrière, on va pouvoir la contrôler d'une certaine manière. On va pouvoir l'orienter et lui ajouter une transform. Une transform, c'est un ensemble de propriétés qui lui permet d'avoir une position dans l'espace. Et ce qu'on voudra faire, par exemple, c'est se dire qu'on a un bonhomme qui est animé, qui avance dans un jeu. On veut lui ajouter une torche. Et cette torche, bah, elle doit être dans le groupe du bonhomme pour qu'elle suive sa main. Donc, on va ajouter un composant à ce groupe pour avoir une lumière. Donc là, on rentre dans du code. C'est pas forcément pertinent de montrer du code dans une conférence. Mais c'est pour montrer l'approche et la manière dont on peut coder en C++ aujourd'hui. Ce n'est pas forcément habituel. Moi, j'avais appris le C++ de manière un peu moins élégante. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les pointeurs partagés, les lambda fonctions, on peut avoir une approche un peu plus sympathique pour programmer. Et aussi des meilleures façons de déboguer. Un composant derrière, ici, une caméra par exemple. On peut ajouter un composant caméra sur un nœud. Comme ça, on peut se dire, bah, j'ai plusieurs caméras dans ma scène et elles sont positionnées en fonction d'un objet. J'ai un jeu de voiture. Dans ma voiture, je veux mettre une caméra à l'intérieur de la voiture, une caméra à l'extérieur. Et derrière, on va pouvoir switcher au runtime les deux caméras. Donc cette approche permet de faire ça assez facilement, en gardant les transforms pour justement les positionner, les faire suivre progressivement la courbure de la voiture par exemple. Je parle beaucoup de jeux parce que c'est assez explicite en général, mais souvent le contraire. Alors, donc pour revenir sur le cœur de cette approche cross-platform, on a une compilation qui derrière part de code C++, donc des sources, des plugins, qui derrière sont des plugins assez classiques pour, dans un moteur, et derrière on va les transformer vers la cible. On va compiler un par un chacun de ces blobs de source code. On va d'abord passer le corps en bibliothèque statique JS, pareil pour chacun des plugins. Et puis ensuite, on va faire une application. Une fois qu'on a tous ces objets, l'application d'un côté qui derrière elle est codée en JavaScript pur, donc le développeur va utiliser du JavaScript, et tout ça qui est à l'origine en C++, ben on va linker tout ça et le transformer en une application.js qu'on peut charger d'un coup. Pas besoin de le lire. Alors c'est pas simple à débugger aujourd'hui. Il y a des travaux qui sont faits pour qu'on puisse facilement suivre les sources d'un projet cross-compilé en linkant vers les sources originales. Et c'est vrai que c'est une des problématiques aujourd'hui qu'on essaye de résoudre. Une phase d'optimisation ensuite, des choses assez classiques, si vous avez déjà fait du JavaScript, on va optimiser en réduisant la taille des fichiers, on va compresser, et puis ensuite, on va pouvoir suivre la décompression runtime aussi, c'est cool. Je vais essayer de vous montrer une démo qu'on a fait tourner en WebGL. Ouais, ça tourne encore. Sponza, c'est un peu l'exemple typique de l'application référence pour montrer de la 3D, quelle que soit la plateforme. C'est ce que Epic Engine va montrer pour mettre en avant son moteur. C'est ce que n'importe quel éditeur de jeu va utiliser. Et donc ce qu'on voulait montrer, c'est que c'est aussi possible de le charger sur le web. Donc là, je suis dans Firefox, hein, pas de miracle. On affiche de la 3D aussi simplement qu'on l'a conçu en faisant le code natif. Donc là, on a vraiment une base de code qui a été compilée à la volée. Derrière, on a la même chose qui tourne sur iPad, à l'occasion, je vous la montrerai. Donc du C++ là, et du JavaScript ici. Donc des particules, des effets de lumière. Vraiment, on ne voit pas bien, mais il y a un lion au fond avec plein de réflexions. Et tout ce qui suit pour... la souris ne marche pas, mais... En l'occurrence, on peut imaginer parfaitement arriver à avoir le résultat d'un jeu vidéo avec ce type de performance, et évidemment, on se contraint à ne pas descendre en dessous de 30 fps. C'est pas forcément une problématique dans les browsers. Ça l'est beaucoup plus sur les tablettes, par exemple. Je vais revenir à mon slide. Les optimisations, je crois que j'ai déjà évoqué ça. Ah non, ça c'est une autre passe d'optimisation.
Les shaders, c'est compliqué à écrire. Et en plus, c'est pas forcément portable. Donc les shaders, c'est un espèce de programme d'assembleur qui est écrit à la main, normalement. Et c'est un peu contraignant. Et en plus, quand on subit les plateformes sur lesquelles on va les lancer, c'est assez frustrant à écrire. Donc Unity, un logiciel pour faire de la 3D, et en particulier pour faire des jeux sur mobile, a inventé un espèce de compilateur qui lui simplifie les shaders. Alors on part d'une base écrite en GLSL, mais derrière il va garantir que le GLSL sera exécutable sur toutes les plateformes en le transformant. Il va prendre la base la plus simple, la version 1.0 du GLSL, et transformer ce qu'on avait à l'origine, qui pouvait être en version 1.2, 1.4. Et ça élimine également un tas de quirks autour de ça. On en profite, grâce à ça, on profite d'un certain nombre d'optimisations également, et on va utilisez-le. Si vous écrivez des shaders, utilisez-le, vous allez gagner un max de temps également. Ah, il y a encore des travaux à faire par contre sur WebGL, ils n'en sont pas là. Mais c'est un travail en cours, donc il y en a. Une autre optimisation qu'on fait pour réduire les coûts, cette fois-ci en bande passante plus qu'en performance, c'est réduire la taille des textures. C'est assez simple, mais ce n'est pas forcément fait sur les jeux WebGL que vous avez eu l'occasion de voir. Donc voilà, essayez de faire ça au runtime, essayez d'optimiser ce pipeline. L'autre problématique, c'est aussi que les textures ne sont pas les mêmes sur chacune de ces plateformes. Donc sur iOS, sur Android et sur Windows, il va falloir générer des textures différentes. Donc on va optimiser avec notre éditeur pour chacune de ces plateformes. On va réduire le poids des fichiers, jusqu'à 50% pour des fichiers Colada par exemple. C'est le format typique d'échange. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on veut échanger au maximum sur le net, afficher des objets en 3D sur le net. Et quand on veut être sur WebGL, effectivement, il faut prendre en compte la contrainte de la bande passante. Donc c'est ce qu'on fait, on travaille là-dessus. On va simplifier également la 3D en réduisant le nombre de polygones, tout simplement en transformant les modèles, en les simplifiant, en réduisant le nombre de polygones, en passant une passe d'algorithme un peu complexe dessus. Pour conclure, il est maintenant possible d'écrire du code natif et de faire en sorte qu'il fonctionne un peu partout. Partout, ça veut dire sur le mobile, sur le web et sur les ordinateurs. Et j'imagine sur les plateformes qui existeront dans un futur proche ou lointain. Parce qu'on n'a pas envie d'écrire les choses plusieurs fois, et je pense qu'en tant que développeur, vous le savez. La même application peut être cross-compilée vers du Flash et du WebGL. Donc ça reprend juste le point d'au-dessus, mais c'est une problématique qui est quand même compliquée et qui a été résolue par des gens très intelligents de plein d'endroits de la planète différents. Et du coup, je pense que la cross-compilation est le moyen d'arriver à quelque chose de vraiment multiplateforme. Alors il y a des contraintes, mais elles sont résolues au fur et à mesure, et LLVM a beaucoup aidé à favoriser cette technique. Et enfin, toujours prendre en compte la compression et la simplification lorsqu'on fait une application web, parce que les contenus produits par des logiciels comme par des entreprises comme des industriels sont en général très lourds. Ils ont leurs intérêts pour de l'ingénierie, mais c'est vrai que pour visualiser des documents et pour visualiser des modèles 3D, on est contraint de réduire les places. C'est pour ça qu'on parle, nous, chez Aeris, on parle souvent de Big Data 3D. C'est-à-dire que les industriels ont beaucoup de données, ils ont des données aussi très détaillées, et ils veulent absolument pouvoir les afficher sur ces plateformes sans avoir à réinventer la roue à chaque fois. Voilà, merci pour votre temps et désolé d'avoir dépassé un tout petit peu. N'hésitez pas à...